Salut à tous les amis, ici Fantarctique, plus connu sous le nom de Fanta, je suis en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah ah, et c'est l'épisode final de la saison 4 de D-Cube. Je sais pas si cette saison a duré plus longtemps que la saison 3. Je pense. Lady Oscar, tapillé comme un garçon. Alors, trois choses. La première, c'est que j'adore Usul. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Il y a des gens qui étaient là, putain, et du coup ça clash et vous aimez pas chatter et tout. Arrête, on est potes, on est collègues. Vous avez vu les fions qu'on se balance avec Fred. Enfin, c'est nickel. Enfin, c'est... sans déconner quoi. Sans déconner, c'est des amours. C'est du bon humour. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, c'était excellent. Bravo. Oh oui, c'était magique. En plus, il m'avait demandé si c'était cool. Il n'y a pas de souci encore. Oh, putain, fais pas. Si je ne peux pas rire de moi-même, de quoi ai-je le droit de rire? Voilà, c'est tout. Et voilà. Il y a une expression qui dit « Heureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de rigoler. » Ah, surtout que je suis un abruti, moi, c'est ça. Voilà, il n'a pas fini de rigoler, c'est exactement ça. Le deuxième détail, c'est Lady Oscar. On peut pas me cosplayer en Lady Oscar, c'est pas possible. Parce que le seul truc, c'est les cheveux longs, mais il me les met en boucle. Il faudrait que je sois blonde et rasée. Le problème, c'est que j'ai la barbe basse et les cheveux noirs, donc ça marche pas, malheureusement. C'est valide. Allez, enfin, monte Lady. Attention, pour le dernier détail Fanta, et ça j'ai envie de te le dire droit dans les yeux, Lady Oscar, elle a réussi à se faire passer pour un mec seulement et uniquement parce qu'elle portait ma veste. Oh. Et pendant 20 ans, pendant 20 ans, elle se fait passer pour un putain de mec avec un sgeg de 12 km de...